Et place à la première course de l'après-midi, le bar Tabac Café des Sports sponsorise la première course de cet après-midi. On va pouvoir débuter la présentation avec au numéro 1, rouge. Elle nous vient de Toulouse, c'est une Michonnelle bleue. Elle nous vient de l'Auvergne. Elle est présentée par Roxane Nikita du Puyallu. C'est une femelle. Le numéro 3, blanc, présenté par Anne. Un autre Toulousain, le Brook. Au numéro 4, noir, un autre Auvergnat. Présenté par Tony Rash Eagle du Puyallu. Au numéro 5, jaune, qui nous vient de la Belgique. Présenté par Wissi, le champion de France sur cette piste il y a de ça quelques années, Jackson. Et on terminera la présentation par un autre Toulousain qui portera donc la Kazakh rayée. Numéro 6, présenté par Claude Axman du pack de la Jet. Alors pour ceux qui sont équipés, le prix du bar tabac Café des Sports. Alors tous les lévriers sont muselés juste pour une histoire de sécurité, pour éviter qu'ils se chamaillent sur le lapin à l'arrivée. Allez, on va positionner les lévriers de la première course dans les boîtes de départ. On ferme les bureaux de paris mutuels. Les paris sont terminés sur cette première course. Et on est parti sur la distance des 280 mètres. Alors, le favori porte la Kazakh blanche et numéro 3. Et c'est à l'extérieur le numéro 6 qui sort rapidement. Et le numéro 1, Liadella, qui va prendre la tête de cette course au bout de la ligne d'en face. On est à mi-virage et c'est maintenant le numéro 6 qui a refait la différence et qui va aborder la dernière ligne droite en tête. Et Nikita qui revient très vite dans la corde numéro 2. On est à quelques mètres de la ligne avec un retour de Nikita qui va certainement remporter cette course. Superbe course numéro 2 qui vient terminer à 100 à l'heure dans la corde. Après un mauvais départ, quelle finale! Alors on va attendre bien sûr que les commissaires fassent leur travail. Alors ils sont en train de revenir gentiment dans le milieu de cette piste. Allez Claude, on peut avancer en direction du podium. Terminera cinquième de cette course. De cette course, il portait le numéro 1, la petite femelle, présentée par Thierry Liabella. Sur la quatrième marche maintenant, on va retrouver le numéro 3 qui était favori de cette course, Ludbrook. On arrive dans le trio maintenant, les trois premiers. Troisième de cette première course, le numéro 4. Belle course pour Ash Eagles. L'Auvergnat qui fait le jumelé avec tout simplement le numéro 2. Nikita du Puyallu qui vient échouer d'un petit nez. Elle est revenue à son alarme, mais il lui manque un petit nez. Et la victoire revient donc au numéro 6, le Toulousain Hackman du pack de la Jet. On peut applaudir Cécile Évrier avec une superbe arrivée. Qui s'est joué tout simplement à la photo. Les rapports sont très beaux, hein. Celui qui a joué le 6.